à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo fabrication dans l'atelier. Vous allez voir, c'est un projet qui est super sympa, super rapide à faire et en plus utile. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment fabriquer un support pour des tablettes. Là, j'ai mis un téléphone à défaut d'avoir une tablette. Mais l'avantage avec ce support, c'est qu'on est sur un support inclinable et on peut régler l'inclinaison parce qu'on a fait 4 trous à l'arrière. Hop, on a notre section cylindrique qu'on peut mettre dans un des 4 trous et à chaque fois, vous avez une inclinaison qui est différente. Si ça vous intéresse de fabriquer ce projet, alors c'est parti. La première étape pour ce projet, ça va être de trouver des sections de bois dont on va avoir besoin. En ce qui me concerne, je vais réutiliser une chute que j'ai trouvée dans l'atelier. Je vais avoir besoin en tout de 2 sections. Une section qui fera 20 cm de long pour 15 cm de large et une autre section qui fera 5 cm de long pour 15 cm de large. Là, j'ai une chute qui fait environ 19 cm de large, je vais la redéligner pour avoir les 15 cm de large, ensuite on pourra la redébiter dans la longueur. Ça y est, notre chute fait 15 cm de large, je vais pouvoir maintenant la débiter en 2 sections, une de 20 cm et une de 5 cm. Bon, en ce qui me concerne, j'ai utilisé la scie à onglet parce que c'est beaucoup plus rapide, mais bien sûr, si vous avez qu'une simple scie égoïne à la main, ça fera totalement l'affaire. Ça y est, on a nos 2 sections de bois. Avant de passer à l'assemblage, il nous manque une dernière section, une section cylindrique qui nous permettra de pouvoir régler la hauteur et l'inclinaison du support. Donc pour cela, je vais juste prendre un morceau en bois qui est cylindrique que j'ai acheté en magasin et je vais le débiter pour avoir une longueur de 13 cm. Ça y est, notre petit morceau cylindrique de 12 mm de diamètre et 13 cm de long est coupé. Va falloir maintenant faire les perçages à l'arrière donc du support. Ce sera assemblé comme ça. Je vais faire 4 perçages, un à 4 cm de l'extrémité du bas, un à 8, un à 12 et un à 16. Le cylindre faisant 12 mm de diamètre, on prend une mèche de 12 mm. Et il faut bien faire votre réglage pour pas que la mèche débouche de l'autre côté, parce qu'autrement ce sera pas du tout esthétique. Donc soit vous avez une perceuse à colonne et vous pouvez faire votre réglage adéquat, soit autrement vous prenez votre mèche et votre perceuse à main et vous mettez un bout de scotch. C'est ce que je faisais avant lorsque j'utilisais pas la perceuse à colonne. Ça va également très bien et c'est une bonne astuce, ça vous permet de voir quand est-ce qu'il faut que vous arrêtiez de percer. Ça y est, nos 4 trous sont percés à l'arrière. Ensuite, avant de faire l'assemblage, la dernière étape, le support sera comme ça. Ça va être de venir couper 2 morceaux de tourillon, allez, on va dire 3 cm, et de faire un petit perçage là et un petit perçage ici. Ça viendra faire en sorte que lorsqu'on viendra mettre un iPad ou une tablette, la tablette ne pourra pas sortir du support. Ça viendra faire un petit blocage. Je vais les mettre à 15 mm de l'extrémité. Et à 1 cm. En ce qui concerne les perçages, j'ai coupé un tourillon de 2 cm. J'aimerais faire un perçage d'1 cm pour qu'il n'y ait plus que 1 cm qui dépasse. Donc je vous parlais de l'astuce tout à l'heure par rapport au scotch. Ce qu'il faut faire donc, hop, regardez 1 cm comme ça. Ensuite, je laisse dépasser un petit peu. Ensuite, je coupe.
Et ensuite, pour que ça fasse une sorte d'hélice, je replie l'excédent sur lui-même. Comme ça. Et lorsque ça viendra tourner, on saura l'endroit où il faudra s'arrêter. Plus qu'à mettre les deux tourillons, on pourrait mettre de la colle à l'intérieur, mais ça suffira largement avec la gravité. Pour éviter de les abîmer, on va mettre une petite planche de bois au-dessus. Et dehors. Et de deux. Et voilà qui est fait. Il manque une dernière étape, ça va être l'assemblage. Pour l'assemblage, il y a différentes manières de le faire. On pourrait mettre des tourillons par bout, on pourrait visser par bout également de ce côté-là. Ce que je vais utiliser comme technique, c'est une méthode que j'utilise très fréquemment, c'est la méthode par vis-pièce avec le gabarit Craig que vous connaissez sûrement, et ceux qui ne connaissent pas, je vous mettrai un lien juste en dessous dans la description pour aller voir un tutoriel pour voir le fonctionnement. C'est un assemblage qui est hyper utile, très solide et surtout très rapide à faire. C'est parti. Je fixe cette cale provisoirement pour que la planche vienne en buter, qu'elle ne bouge pas lorsque je viendrai la visser. Et voilà le travail. L'avantage avec ce système, c'est que c'est, vous l'avez vu, hyper rapide et hyper simple à faire. Et surtout, vous pouvez incliner et régler l'inclinaison. Si je veux une grosse inclinaison, je fais comme ça. Ça peut être intéressant, par exemple, si je suis à la cuisine, je veux regarder une recette, même éventuellement mettre un bouquin, même si à l'origine c'est pour des téléphones ou des tablettes. Et si je veux plus de hauteur, je mets dans le trou du bas. Et on a une autre inclinaison. Bref, efficace, utile et rapide à faire. Et voilà pour ce qui est de cette fabrication, n'hésitez pas à me donner votre retour dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de les lire. Pour ceux qui ont envie de visionner une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces d'atelier, où on voit comment économiser un petit peu d'argent sur des outils, on voit diverses techniques de bricolage, alors je vous mettrai le lien vers la vidéo juste en dessous dans la description, c'est gratuit et ça vous permettra d'apprendre quelques petites choses. Sinon, en ce qui me concerne, je vous dis comme d'habitude, merci à tous, prenez soin de vous, gardez le sourire, c'est important, et à très bientôt.